Nan, Cheese Nan, mercredi elle a un problème. Comment ça, elle a un problème? Il y a du sang partout, je devais l'emmener à Marseille. Tu devais l'emmener à Marseille et t'as vu du sang partout dans sa maison? Ouais, je l'ai appelée, elle répondait pas. Attends, tu me fais peur, il lui est arrivé quelque chose? Je sais pas. Peut-être c'est Marseille qui est. Elle s'est dit, bah, Marseille, c'est le Texas. Je vais mourir et elle s'est suicidée. Oh! Attends, les amis, peut-être que Mercredi est morte? Attendez, j'espère que c'est pas le cas, mais attendez, oh, il y a du sang partout là! Ah, mais je te dis, quand il y a du sang, il y a du sang! Bon, attendez les amis, je commence vraiment à m'inquiéter. Attends, j'espère que c'est une blague. Non! Oula. Bon, les amis, on va rentrer à l'intérieur. Et... Ouah, c'est quoi ce bain de sang? Ah, d'accord! Oh, what? Regardez les amis, il y a un giga bain de sang. Et Mercredi, elle est où? Peut-être dans sa chambre, elle dort? Elle dort ou elle est morte? Bah, peut-être elle est morte dans son sommeil! Bah, Peut-être! je sais pas. Bon, de toute façon, les amis, on va aller voir ça. Alors, attends, juste pousse-toi. Hop, j'y vais en premier. Alors, Oh, regardez, les amis. triste! Il y a du sang qui coule d'ici. Donc, elle doit sûrement être dans sa chambre. Ah, la voici! Regardez-les juste là. Oh. Mercredi? 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 Jeudi? Vendredi? Samedi? Dimanche? Lundi? Ok, elle est pas là, elle est morte. Non mais je crois que Mercredi elle est morte. Non, Mercredi elle est décédée. En plus, je l'avais capturée, tu l'as sauvée, elle meurt. Ah ouais, c'est super. Attends. Chouchou Charles, t'es sûr que c'est pas toi qui l'aurais tué? Je m'en souviens pas, peut-être quand je l'ai détachée, si je l'ai fait trop fort. Mais elle était là avec toi, contre le Hyde. Bah oui, c'est vrai. Mais attends, mais qui c'est qui aurait pu tuer Mercredi? Non, peut-être son frère. Non! Le Hyde, il avait dit qu'il voulait tuer mercredi. Qui voulait tuer le... Oh, bon, tu sais quoi? Déjà, ce qu'on va faire, c'est que pour être sûr, on va demander à la chose. Est-ce qu'il y a la Elle chose est pas sur là? elle? Ah non. Non. Regardez, alors attends, juste pousse-toi, parce que tu prends trop de place. Ouais. Alors, regardez les amis, la chose n'est pas du tout sur son épaule. Attendez, on va essayer de chercher la chose. Peut-être qu'elle s'est cachée en dessous du lit pendant le meurtre. Enfin. Alors non, elle n'est pas du tout ici. On va essayer de voir dans cette chambre. Essayez de voir où est-ce qu'elle se cache la chose. Je vais dehors. Ouais, parce que peut-être que elle pourrait nous donner un peu plus d'informations sur le tueur. Donc ouais. Moi j'enlève le sang là, ça me. Ouais, alors ouais, ce serait bien d'enlever le sang parce que je vois qu'il y a pas mal de sang. Comme on peut le voir, les amis, le corps s'est vidé de tout son sang. Elle a plus aucune goutte de sang dans son corps. Oh, mais wesh, Chiznan! c'est vraiment affreux, quoi. Chiznan, viens au parc, dehors, là Quoi? au jardin. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'il y a Tarzan sur le toit, sur l'arbre, là-bas. Aidez-moi! Aidez-moi! S'il vous plaît! J'aimerais retrouver le tueur de mercredi! Ah, mais c'est. Ce serait pas la chose. Ah, il a pris un coup de vieux, la chose! C'est toi, la chose! Oui, c'est moi! Oh, la chose, viens ici, viens ici. T'inquiète, on est des gentils, tu me reconnais de toute façon. Bah oui, c'est toi, Chiz, tu m'as sauvé dans le tunnel bleu, là. Voilà, Et moi! Et moi, enchanté, SNCF! Bon, bref, il a pas envie de voir ta tête de moche. Du coup, la chose, j'ai besoin de savoir, Mercredi, elle est vraiment morte ou c'est une blague? Oui, elle est morte et j'aimerais bien trouver son tueur, comme ça, on pourra le punir. Oh non, mais ça veut dire qu'on pourra plus voir Mercredi dans les prochaines vidéos. J'ai une idée, avec les Dragon Balls. Non. J'ai trop regardé le manga. Ouais, bon, arrêtez avec les mangas. Bon, les amis, vous savez quoi? C'est à vous de décider si vous voulez qu'on ressuscite Mercredi. Voilà, vous me dites dans l'espace commentaire si vous voulez qu'on ressuscite Mercredi. Et ou si c'est bien fait pour elle, si elle mérite bien son sort. Bon, Bof, hein. j'aurais besoin de savoir la chose. Dis-moi, est-ce que t'as vu le tueur? Oui, je l'ai vu, j'étais caché sous le lit de mercredi. Il m'a pas vu. Mais Ah, il il est était avec moche, il était atroce. Il avait des gros yeux là Ok, je sais qui c'est. et il était vert, un peu comme un zombie. Ok, je sais encore plus qui c'est. Et du coup tu, enfin est-ce que tu sais c'était qui, c'était quoi, c'était est-ce que c'était Chouchou Charles pour le tueur? Non, c'était pas Chouchou Charles, il était pas rouge, c'était pas un train, non. Tu m'as dit un zombie. Oh, Diablo Fit 35. Lui! Alors,
Non, je pense pas. Ok. Ça peut être une heure. Non, bah il a dit un zombie. Attends, un zombie. Attends, tu vas pas me dire. Un peu gros. Un peu gros. Le Hyde. C'est le Hyde. Je l'avais dit. Le Hyde. C'était le Hyde. Oui, c'était lui. C'était lui. Non. Je suis trop fort. Donc vous êtes en train de me dire qu'il y a le Hyde qui est en train de se balader dans ma ville tranquillement comme ça? Dis-toi. Dis qu'il. Tranquillement. Oh non les amis, je crois qu'il y a le Hyde qui se balade dans ma ville. Après mercredi, c'est au tour du Hyde. Alors attends. Bon, déjà pour commencer, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait mettre quand même mercredi dans une tombe, faire ses petites funérailles et tout, puisqu'on va pas la laisser comme ceci, non? Non, ouais, je sais. Ouais. Moi je suis un grand pote à elle, hein, pas toi la chose, et je sais qu'elle a toujours voulu se faire incinérer. Parce qu'elle voulait pas aller avec les vers et tout. Non, elle va aller dans une tombe. Ouais, elle va plutôt y aller dans... Non, alors, j'ai une question. Faudrait plutôt la brûler ou on la met dans une tombe? Brûler. Alors là, brûler, j'imbrique... Eh, je suis son amie depuis qu'elle est née. Ok, d'accord, ok. Bon, bah, moi, je vais plutôt écouter la chose. Allez, tu sais quoi, la chose? Tu vas venir avec moi. Toi, le train, le RERD, là, tu restes à l'extérieur. Hop. Et du coup, tu viens avec moi, la chose? J'arrive. Hop, voilà, donc je te laisse monter. Juste avant que la vidéo continue les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Et mettez un gros pouce bleu sous la vidéo si la vidéo vous plaît. Ok, on remonte au-dessus. Oh chouchou Charles, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Voilà, maintenant elle est bien. Qu'est-ce qu'il y a? Il est en train de brûler mercredi. Non mais qu'est-ce que tu fais? Bouge. Eh hey, chouchou Charles, sors d'ici tout de suite. Il y avait du feu partout, t'as pas vu? Si, si. Si, si, j'ai vu. Allez, allez, sors d'ici. Il est complètement malade. Allez, bouge, bouge, bouge. Voilà. Je t'aiderai pas. Oui, allez, c'est ça, bouge de là. Bon, les amis, pour commencer, on a enlevé le sang. Donc, on va également enlever tout le sang qu'il y a, hein, parce qu'il faudrait rendre ça propre. C'est vraiment triste. Ouais. Donc, attends, je crois que ça aussi, ça appartient à mercredi. Donc, on enlève tout le sang qu'il y a. Hop. Donc, oula. Chouchou Charles? Ouais. Pourquoi tu nous enfermes dans la maison? Tu veux plus de moi, je vous enferme. Mais je casse les barreaux. Je t'ai juste dit, attends-nous dehors, c'est tout. Chouchou Charles, je te jure que un jour, je vais réussir à te tuer. Bon, Tais-toi, je suis plus grand que toi. Bon, vous savez quoi, les amis, si à 5000 pouces bleus, je ferai un combat entre Chouchou Charles et la chose. Voilà, ça vous dit? Ouais, tu sais, moi, mon meilleur pote, c'est Thomas le Train. Oui, Thomas le Train.exe, j'imagine. Non, Thomas le Train.exe. Normal. Ok, d'accord. Bon, voilà, on a enlevé tout le sang, les amis. On va à présent pouvoir récupérer le corps de mercredi. Donc, la chose, si tu peux venir m'aider à récupérer le corps, là. Voilà. Marcel. Parce que, vu que c'est toi qui connais bien mercredi, je te laisse récupérer le corps. Charles. Voilà. Il est bien, elle est pas un peu plus grand pour toi. Aïe, ok, c'est bon. On a récupéré le corps de mercredi et on va pouvoir l'installer bah, dans sa tombe. On fait sa tombe où? Dans un feu. Jardin avec sa mère. Ah mais c'est vrai que sa mère Morticia aussi elle est décédée. Ouais. Oh. En fait la famille elle commence à se détruire petit à petit quoi. C'est plus que le père et Pugsley. Pugsley ouais. En plus il était censé être en prison et le père je sais même plus où il est. Il est en dépression il. Ouais bah en fait le père il est en dépression et je sais pas où est-ce qu'il est Pugsley mais j'espère qu'il s'est pas fait capturer par le monstre. De toute façon on va tout de suite enterrer mercredi et on ira aller chercher bah où est-ce qu'il est le monstre, ok. Hop donc on l'installe ici là dans cette petite tombe là. Non à côté de sa mère, ici. Ok juste ici, hop on va l'installer juste ici. Ok voilà le corps de mercredi. Je te laisse remettre ça au-dessus. Attends, pousse-toi. Voilà, tu prends trop de place. Bouge. Voilà, le train il prend trop de place. Attendez, je vais essayer de mettre. Bon, j'arrive pas du tout à mettre ça. Ok, c'est pas grave. Bon, du coup, chacun ramène des petites fleurs. Voilà, j'ai mis mes fleurs. Voilà, alors moi j'ai pas du tout de fleurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer des bonnes petites fleurs. Est-ce qu'il y en aurait pas juste à côté? Je crois qu'il y en a une ou deux juste à côté. Ok, juste cette petite fleur rouge, ça suffit. Et hop. Voler au champ. Non, t'inquiète. Non, arrête. On va pas faire le voleur à chaque fois. Voilà. Hop. J'ai mis la tombe. Ok, on retourne voilà. Dans le jardin, les amis. Et on va à présent
On va lâcher quelques petits mots, hein, évidemment. Hop. Hop. Alors, je mets mes petites fleurs ici. Ok, c'est bon. Hop. Ok. Bon. Qui a un discours, là, pour mercredi? Je suis bloqué. Moi, j'en ai un. Vas-y, je te laisse dire ton discours. Eh bah, mercredi a toujours été une grande amie pour moi. Dans la famille Adams, j'ai été adopté par eux, mais c'est mercredi qui m'avait trouvé au fond d'un cimetière. Et oui, j'appartenais à un corps de ce cimetière, c'est un peu dégueulasse. Mais voilà. Et c'est mercredi qui m'avait trouvé, elle m'a adopté. Puis après, elle m'a fait quelques cicatrices, mais mon sang s'en fiche. Voilà. Oh, t'as l'air vraiment tout triste, ton discours il me fait pleurer. C'est vraiment triste, regardez même Chouchoucha, je crois qu'il est en train de pleurer. J'en suis désolé. Bon. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Mercredi a été une grande amie pour moi. Je l'ai connue, bah, il y a 3 jours. C'est pas grave. J'aimais être son RERD, son RERA. Il l'a quand même capturé, hein. Oui, mais je l'ai sauvé. Voilà. Je l'ai libéré. Et je suis triste qu'elle soit partie. Et elle reviendra grâce aux Dragon Balls. Bon, bah, on espère, hein. On croise les doigts, hein. Allez. Par contre, attends, avant de la fermer, il faut que je lui fasse un petit discours quand même. Vas-y, fais vite. Voilà, hop. Juste, t'aurais pas un petit panneau pour moi, s'il te plaît? Comme ça, je mets un petit rip. Ouais, passe-moi un panneau. Ouais, si quelqu'un a un petit panneau, comme ça, je le dépose juste devant. Et comme ça, vas-y, j'en ai un. Ouais, J'ai toujours ça sur moi. Ok, tiens. Parfait. Nickel. Oh. Ok, donc là, déjà, les amis, je vais marquer rip. Mercredi, donc vous savez, elle est née en quelle année? Bah, elle avait 16 ans, non? Ouais, probablement, donc ça doit être une 2004, je pense. Ok, 2004, et elle est morte en 2023, donc je sais pas du tout s'il y aura de saison 2 qui va sortir. De toute façon, on saura ça dans les prochains jours. Alors, pour ma part, les amis, mon discours, ça va être... bon, bah, mercredi, c'était quand même une très belle amie, malgré le fait qu'elle ait voulu m'attaquer pas mal de fois. Et elle restera dans mon cœur, quoi. C'est très triste. Très triste. Oh, regardez, la chose, elle est en train de pleurer, la pauvre. Puse. Oui. Tu sais pas faire de maths? 2004 à 2023, ça fait 19 ans, ça fait pas 16 ans. Non, ça fait 16 ans. Bah, elle est née en fin d'année. Et ça fait pas 19 ans, tu m'aurais dit 17 ans, ok. 16, ça fait 2020. Qu'est-ce que tu racontes? Ça fait 16... Ah, ça fait... Ah, mais oui, ça fait 19 ans, je suis débile. Mathématiques, les 19, c'est le Texas. C'est en 2007. Ok, alors, je suis complètement étourdi. Enfin, bref, c'est pas grave. Bon, à présent, il faut retrouver le tueur. C'est le Hyde. Ouais, le Hyde. Donc, Oui, mais c'est qui le Hyde? Ouais, alors... Ce qu'il faut bien savoir, hein. Alors, le Hyde, je sais à peu près à quoi il ressemble. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Toi déjà, Chouchou Charles, tu vas te mettre devant, tu vas faire le guetteur. Voilà. Non, je veux participer, c'est la chose, le guetteur. Oui, justement, tu me dis dès qu'il passe, j'arrive. Vas-y, va faire le guetteur. Ok. Hop. Okay. Chouchou. Ok, ça, c'est même un train qui vole. Et toi, vu que elle est morte, tu veux la rejoindre ou tu vas monter sur, je sais pas, peut-être sur l'épaule de son frère, je sais pas. Mais non, mais moi je suis sur son épaule pour l'instant. Sur mon épaule à moi? Oui, comme ça, quand tu auras le tueur, je serai en paix. D'accord, ok. Bon, bah à présent, les amis, la chose m'appartient, donc je t'adopte, ok. Bon. Ce qu'on va faire, les amis, c'est que on va à présent se venger. Donc on va récupérer une petite arme. Quelqu'un a une arme? Ouais, j'ai des coups de chaud si tu veux, mais bon, des épées c'est mieux, non? Ouais, une épée ou une arme, n'importe. Chou, j'en ai une. Ok. Plus de couteau que d'épée. Tiens. Marseille, c'est le Texas. Ok. Je reviens. Chou. Ok, super. Bon, à présent, les amis, il va falloir faire super attention puisque le Hyde se balade sûrement aux alentours. Et d'ailleurs, je crois que même le petit frère de mercredi doit être sûrement coincé. Enfin, doit être entre les mains du Hyde. Donc, on va essayer de retrouver où est-ce que se cache le Hyde. Tu trouves quelque chose? Non, je sais pas. Alors... Aidez-moi! Aidez-moi! J'entends quelqu'un là, non? Oh, regarde! Cheese! Oui? Regarde là-bas!
Y'a un gobelin qui m'attrape! Aidez-moi! Arrête de crier! Oh oui, y'a quelque chose qui bouge! Attendez, mais. Qu'est-ce que c'est que ça? La chose? La chose? Aidez-moi! Oui? Dis-moi, est-ce que c'est ça qui a tué Mercredi? Oui, c'est ça, c'est le Hyde! Ah, c'est lui le Hyde! Et regardez juste à côté, on a pu Huxley! Oh, faut aller viens vite m'aider! Non, je vise personne. Viens vite m'aider! Arrête! Oh, attends, pousse! C'est toi le Hyde? Oui, c'est moi, pourquoi? Attends, me dis, c'est toi qui as tué Mercredi? Bah oui, ah mais je te reconnais toi! Mais pourquoi t'as tué Mercredi? Bah je sais pas, je l'aimais pas trop. Tu l'aimais pas trop? Et c'est comme ça que tu l'as tué? Ah ouais. Du coup tu lui as mis un gros coup de couteau, enfin tu l'as découpé en deux quoi. Ouais voilà. Kebab. Oh le pauvre, enfin la pauvre, oh, c'est vraiment triste. Aïe, je me suis fait mal. Et du coup là, pourquoi t'as capturé lui? Lui, il a un prénom déjà. Oui, pourquoi t'as capturé Pugsley? Voilà. Bah, il m'avait menacé et j'ai pas aimé. Comment ça, je t'ai menacé? Je t'ai juste dit que j'aimais pas ton look. Ouais, bah, moi non plus, je t'aime pas. Ah, d'accord. Et attends, petite question. Comment t'as fait pour venir sur Minecraft et pour retrouver la maison de Mercredi? Bah, c'est un ami à moi, il me l'a donné l'adresse. Bonne question. Il t'a donné l'adresse? Attends. C'est qui? Et c'est qui cet ami? Ah, ça je peux pas le dire. Non, mais j'ai vraiment besoin de savoir. C'est qui t'a aidé à venir dans ce monde? Dis-la ou sinon j'appelle Chase, de la Pat Patrouille. Bah, c'est Gomez. Gomez Adams, le père de Mercredi. J'aurais pensé que c'était Josh Charles. Attends, Gomez? Oui, oh, mais sa fille l'aimait pas et du coup il s'est vengé. Mais oui, les amis, vous vous rappelez? Gomez, il voulait se venger puisque... on avait Pugsley et Mercredi qui avaient tué leur maman, donc la copine non, de moi. Gomez. Oh, donc je sais pourquoi il a appelé le Hyde, on comprend mieux. Eh oui. Oh d'accord. Attends, il va me tuer. Cheese. Oui. Cheese, il faut tuer le Hyde, il a tué Mercredi. Mais on fait pas le poids contre le Hyde, regarde comment il est grand, regarde comment on est tout petit. Mais t'as des armes, non? Bah... J'ai une idée. Même avec les armes, on peut rien faire du tout. Bon, appelle la patte patrouille. Les amis, si vous savez quoi, si vous voulez qu'on aille sauver Pugsley, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications.